pouvoir méditer un passage de la Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, à partir du verset 20. Jésus est en train de parler de la tradition et de tout ce que cela comporte de droit à la transgression. Il est aussi en train de parler de ce qui est pur et de ce qui est impur. Et voilà ce qu'il dit. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la ruse, le dérèglement, les regards envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Il était évidemment en train de faire référence à toutes ces notions de pureté et d'impureté qui font qu'on a plutôt tendance à croire que c'est l'inverse. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Or, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va. » Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il publiait la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 150 « À toi la gloire ».
invite à vous asseoir et nous prions ensemble. Seigneur, éclaire-nous au moment où nous allons parler de ces témoignages anciens laissés par d'autres croyants avant nous. Permets que nous soyons capables d'y voir ta parole pour nous, une parole créatrice dans nos vies, une parole de vie. Amen. Que se passe-t-il entre le moment où Jésus explique à ses disciples ce que c'est que l'impureté et que c'est ce qui entre dans le corps de l'homme qu'il faut regarder en effet, mais que ce n'est pas cela qui souille le plus l'homme, mais ce qui en sort, c'est-à-dire ce qui vient de notre propre volonté, ce que nous voulons déverser à l'extérieur. Entre ce moment-là et le moment où Jésus dit à un sourd muet « Ouvre-toi », que se passe-t-il entre les deux moments? Entre ces deux moments va se produire une rencontre, improbable, non souhaitée par Jésus, mais qui va le transformer durablement. Qui rencontre qui à ce moment-là? On nous parle d'une femme qui est grecque, d'origine syrophénicienne. Tant de précisions de la part de l'auteur est le signe que l'origine de cette femme fait problème. En fait, c'est une païenne. Aux yeux de Jésus, elle n'est pas de son peuple. Elle n'adore sans doute pas le même Dieu, ce Dieu d'Israël, et elle n'observe pas tous les rites de la tradition juive, bien sûr. Comme la rencontre a lieu dans le territoire de Tyr, on pourrait penser que Jésus sait à quoi il s'attend, puisqu'il est en territoire païen. Mais alors qu'il vient de ce territoire païen pour se cacher, d'une part des foules qui le pressent de tous côtés pour obtenir des guérisons, et d'autre part des pharisiens qui le questionnent sur ses pratiques peu orthodoxes, il va quand même camper sur ses positions qui montrent qu'il n'a pas encore lui-même mis en pratique ce qu'il exprimait quelques instants plus tôt à propos du pur et de l'impur. De la tradition et de la loi de Moïse. À cette femme païenne qui le supplie pour obtenir la guérison de sa fille, Jésus va répondre « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Particulièrement désagréable ce Jésus, vous ne trouvez pas? Il y a quelque chose d'inhumain dans cette façon de traiter cette femme qui est en plein désespoir. Elle inspire plus de la pitié que de la colère, et il lui parle ainsi. Que dit Jésus? De quoi parle-t-il avec ses chiens et ses enfants? Il semble bien que les païens aient été assez couramment associés à cet animal impur qu'est le chien. Lui qui mange les restes, les carcasses. Il est une des figures de l'impur. À notre époque, où l'on essaierait presque de faire de nos chiens domestiques des véganes, tant on s'occupe de leur alimentation, il nous semble un peu surprenant de voir que cet animal est pris comme un animal extrêmement impur. Mais à l'époque de Jésus, le chien n'a pas bonne réputation. Il est laissé dans les rues. Jésus est donc en train de traiter cette femme suppliante de chienne, ni plus ni moins.
Il lui fait la morale parce qu'elle ose demander quelque chose qui, de droit, revient aux enfants. Et ces enfants, ce sont les fils d'Israël, les bénéficiaires de la promesse de Dieu, les membres du peuple élu. Jésus se voit donc comme le Messie d'Israël qui apporte le salut aux enfants d'Israël, mais pas aux païens. Cette attitude a de quoi nous étonner quand on sait que les propres disciples de Jésus viennent d'être pris en flagrant délit de transgression de la loi de Moïse en mangeant sans d'abord procéder aux ablutions rituelles. Jésus les défendait au nom d'une liberté par rapport à la tradition. N'est-il pas déjà passé du côté du paganisme aux yeux des siens? Pourquoi n'accueille-t-il pas mieux cette femme après tout? Pourtant, devant elle, devant cette femme qui lui parle d'une chose bien plus importante et sans doute plus vitale que ces questions d'enfants d'Israël et de pain, il s'agit de la santé de sa fille, peut-être de sa vie, il remet au centre du dialogue ce qui les sépare. Il fait partie du peuple d'Israël et elle non. Il est venu sauver les enfants d'Israël et pas les païens. Lui qui disait « c'est du dedans du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais », il devrait écouter ses propres paroles. Comment peut-il rudoyer cette femme qui demande le salut pour sa fille? Elle ne veut rien pour elle, rien pour elle-même. Et c'est là le drame qui se joue. Eugène Drewermann, dans son livre « L'évangile des femmes », écrit à propos de la supplication de la syrophénicienne. Saint-Exupéry écrivait un jour cette parole superbe et orgueilleuse « Rien n'est intolérable. Pour soi-même, on peut tenir. Sa souffrance, on peut la supporter. Il ne s'agit que de soi. Elle peut nous terrasser, mais rien n'en dépend. Rien de ce qui nous arrive n'est intolérable. » Mais la souffrance venant accabler l'autre, celui qui nous est proche, celui dont on est responsable et qu'on ne peut pourtant pas aider, la vision de celui qu'on aime acculé à l'abîme ou en train de se précipiter dans le malheur, voilà l'intolérable. Il n'existe pas de pire tourment. Extraordinaire intuition de l'écrivain et de l'analyste, qui éclaire pour nous la situation de cette femme. Comme la suppliante, sculptée par Camille Claudel, la syrophénicienne est au pied de Jésus à le supplier. Et bien qu'il la traite comme un chien, elle va avoir ce courage de lui dire « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. » Le courage de l'humiliation, prête à tout pour obtenir la guérison de sa fille, cette femme va aller jusqu'à accepter qu'on la traite ainsi. Elle va comprendre le point de vue de celui qui la rejette afin qu'il la tolère dans son monde, qu'il lui laisse une place, même celle du chien, même sous la table. Elle veut bien être un chien, elle veut bien comprendre que le Messie ne soit pas venu pour elle, la païenne. Elle, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la vie de sa fille, possédée par un esprit impur. On ne sait pas ce que recouvre cette réalité. On ne sait pas de quoi souffre la petite. Mais chez les païens aussi, le mal est impur et il fait souffrir les gens. Alors elle essaie encore. Et si il consentait à lui donner ne serait-ce que les miettes des élus, abandonner tout orgueil pour le salut, accepter tout outrage pourvu que l'enfant qu'on aime soit sauvé. C'est cet amour incommensurable qui va toucher Jésus, comme si lui et elle étaient en communion d'amour. Lui parce que depuis son baptême, il se sait aimé de Dieu de cette façon inconditionnelle, et elle parce qu'elle est mère et qu'elle aime aussi, ainsi. Au bout du compte, Jésus ne fera aucun geste pour guérir la jeune fille, il n'en aura pas besoin. Il constatera seulement que le salut, sans aucun doute, est venu couronner cette supplique sincère. Mais de cet étrange échange, inattendu,
il en ressortira profondément changé, converti à l'amour de Dieu pour tous les hommes, conscient que sa vocation n'est pas de s'adresser seulement au peuple élu, mais à tous les hommes qui se présentent à lui. Jésus n'est plus le sauveur d'un peuple, mais d'une humanité meurtrie et qui soupire après le salut. Qu'est-ce qui permet de dire que le récit de la Syrophénicienne raconte une conversion de Jésus? Eh bien, après cette rencontre marquante, alors qu'il traverse le territoire de la Décapole, on va lui amener un sourd qui a de la difficulté à parler. Et il va le guérir en disant « Ephphatha, ouvre-toi ». Premièrement, ce n'est plus une grecque, une syrophénicienne, une païenne qui lui amène une personne à sauver, mais on lui amène quelqu'un, on lui amène. L'origine des suppliants n'a plus d'importance, c'est simplement « on » dans le texte. L'origine n'a plus d'importance. Deuxièmement, on lui amène un sourd qui a du mal à parler. C'est parce qu'il n'entend pas qu'il ne peut pas parler. C'est classique, me direz-vous, c'est même médical ou anatomique. Mais de quoi parle-t-on vraiment dans ce récit de miracle de sourd-muet? N'est-ce pas la surdité dont Jésus a fait preuve aux appels de la femme syrophénicienne qui est ici montrée comme un mal à guérir? Ce récit de miracle tombe à point nommé juste après cette expérience d'ouverture du Christ à la syrophénicienne. N'est-ce pas parce qu'il n'entendait pas le cri de cette mère qu'il ne pouvait pas annoncer le salut de Dieu avec le même amour? N'est-ce pas le repli sur soi qui a engendré chez Jésus la dureté et le manque de compassion dont il a fait preuve à son égard? La tradition dans laquelle il croit l'a empêché de comprendre l'amour infini de Dieu. L'histoire du sourd-muet racontée juste après la rencontre avec la syrophénicienne est comme un miroir de la fermeture de Jésus lui-même aux supplications des païens. N'est-ce pas donc de la conversion de Jésus dont il est question ici? Ce que l'Évangile construit dans ce passage qui questionne la tradition, l'identité et l'origine, c'est véritablement l'universalisme du message de Jésus. Défiant toutes les clôtures, toutes les frontières, toutes les certitudes identitaires, l'évangéliste présente la rencontre de Jésus avec cette femme courageuse comme un moment de bascule dans son ministère et comme une leçon de vie pour tout croyant. Si Jésus a dû se laisser convertir, alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas tous les croyants? Aujourd'hui, nous avons baptisé un petit enfant qui, heureusement, n'a besoin d'être sauvé d'aucun démon impur. Ce tout petit a reçu le baptême, le signe visible de l'amour inconditionnel du Père. La figure paternelle de la religion chrétienne a parfois de quoi agacer, tant elle a permis à beaucoup de se comporter en paternaliste ou en misogyne à l'égard des femmes. Pourtant, cette parole de Dieu, lors du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection », est illustrée par une figure maternelle qui dépasse les traditions, la religion ou l'origine, en les poussant à leurs limites. Que nous importe de savoir de quel pays elle est, quelle langue elle parle, et si elle est autorisée à se jeter aux pieds d'un Israélite, elle, l'impure, puisqu'elle est une mère qui implore pour le salut de sa fille. Le texte biblique nous ramène à un existentiel, à quelque chose d'essentiel pour l'être humain. Tout enfant qui reçoit le baptême au nom de ce Père-là, celui qui aime ainsi, le reçoit au nom aussi de cette mère-là, car c'est le même amour inconditionnel qui anime ces deux figures de parents. Eugène Drewermann, encore lui, disait dans son livre « Je me dis quelquefois qu'une telle souffrance de l'amour portée à quelqu'un apparemment impossible à sauver est comme une preuve certaine de l'existence de Dieu. Car si on ne peut prier pour un tel être, on ne peut tenir dans une situation pareille. »
Il présente ainsi cette supplique de la mère qui n'a aucune certitude quant à l'issue de la maladie de sa fille et qui n'a qu'une solution, aller prier un homme de Dieu. On frémit à la question, vers qui Dieu a-t-il pu prier quand il n'a pu sauver son fils ? Lui, le Père, qui souffre avec nous. Mais heureusement, la jeune fille a été sauvée, tout comme le sourd-muet, tout comme les aveugles, les boiteux, les lépreux, toute cette imagerie du malheur de l'humanité qu'on retrouve dans les évangiles. Mais celui que Dieu a sauvé de son aveuglement, c'est sans doute en premier Jésus lui-même. En racontant ces histoires de guérison, les évangiles nous questionnent sur notre propre cécité, ces cécités qui nous empêchent de voir la dimension spirituelle des choses, nos propres impuretés qui nous empêchent de considérer l'autre comme un frère en humanité parce qu'il n'a pas le même code de vie, la même morale ou la même éducation. L'Évangile nous parle aussi de nos surdités quand nous sommes incapables d'entendre le cri sincère de celui qui veut être aidé. La confession de foi de celui qui ne croit pas comme nous, ou le chagrin de celui qui n'est pas reconnu digne à nos yeux de notre amour. L'Évangile nous parle aussi de nos claudications, comme les signes de nos hésitations à faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, sans regarder l'origine, la religion, la pensée de celui qui est en face de nous, même si cela remet en cause nos habitudes et nos a priori. L'Évangile, c'est la cour des miracles, me direz-vous. Un peu, c'est vrai. Et cela, semble-t-il, n'a rien à voir avec ce petit enfant qui vient de recevoir le baptême, lui qui est beau et qui ressemble à un petit miracle tel qu'il est là, en pleine force, en pleine santé. Pourtant, par son baptême, ce petit enfant a reçu un amour et une bénédiction qui l'accompagneront toujours, même quand il oubliera de s'ouvrir aux autres, car sans doute ça lui arrivera, comme à nous tous. Même quand il ignorera les appels à faire ce qu'il doit faire pour son prochain. Car c'est à cette cour des miracles qui s'ouvre régulièrement dans nos cœurs que le salut s'adresse. C'est l'humanité tout entière qui est concernée par cette grâce, celle qui peine à faire la volonté de Dieu, celle qui n'est jamais parfaite. Car qui peut dire qu'il n'a jamais péché ? Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il avait lui-même besoin d'être converti. C'est en espérant de tout cœur que leur fils s'ouvre au monde et aux autres, que les parents de Léopold ont souhaité qu'il reçoive le baptême. Ils veulent lui offrir ce signe de leur foi pour qu'il ne soit jamais fermé comme le fut Jésus avant de se rendre compte de ce qu'il faisait. Pour que cette bénédiction reçue lui donne la confiance nécessaire pour s'ouvrir aux autres et pouvoir les considérer avec respect, empathie et peut-être amour, pour qu'il se laisse convertir lui-même à une autre humanité et soit lui aussi, à sa façon, porteur de salut. Alors que le petit Léopold, dans l'amour de Dieu et sous les bons auspices de la Syro-Phénicienne, reçoivent cette parole aussi. Ouvre-toi, Ephphatha. Amen.